Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Charlotte. Oui, bonjour. Tu es sonothérapeute et artiste. Aujourd'hui, on va parler de la méditation guidée et tu utilises le handpan, l'instrument que voici. Comment se passe cette méditation guidée que tu fais? Alors, la méditation guidée, je la fais toujours en duo avec ma petite maman, qui est énergéticienne spécialiste Reiki, maître Reiki plus précisément. Maîtresse Reiki du coup. Maîtresse Reiki, oui, c'est vrai. Je sais même pas si ça se dit en vrai. Non, ça se dit pas, mais moi je le dis. Mais ouais, j'avoue que maîtresse, je lui dirais, elle en regarde, elle fait, mais c'est vrai. Bon, je pense que je lui dirais quand je la verrai, ça va être arrivé. Ça marche. Et donc oui, donc avec ma petite maman, et on fait ça avec des groupes, en méditation guidée, on n'a jamais fait pour une personne. En général, c'est des groupes, ça va de 3 à une vingtaine de personnes. Donc toutes les personnes sont allongées. La méditation guidée, elle va se passer avec principalement le handpan qui va faire toute la mélodie, qui va accompagner cette méditation. D'accord. On va avoir un petit peu de tambour en fond ou pas. Ça va vraiment dépendre du type de méditation. D'accord. Mais celles qui sont vraiment dans le handpan, on a un petit peu de bol pour aider les personnes à s'ancrer et à se détendre au début. On respire tranquillement. Et ensuite, la mélodie du handpan va commencer. Et en suivant les paroles du coup de ma mère qui vont guider cette méditation pour redescendre à l'intérieur de soi, pour se détendre, pour voyager, pourquoi pas. Ça dépend de ce qu'on va cibler pendant la méditation. D'accord. Des méditations même pour les saisons, donc du coup va être tout un suivi pour les saisons. Et la mélodie va faire soit descendre dans l'enracinement, soit au contraire même s'élever. C'est des mélodies qu'on a travaillées ensemble, du coup j'ai vraiment pour ces méditations. D'accord. Et tu verras tout à l'heure, au niveau du son, ça va de grave à plus ou moins grave, plus la note centrale qu'on appelle le ding, qui est vraiment la note la plus grave du... D'accord. Ok, bon, j'ai hâte de découvrir ça. On va te laisser tout de suite nous faire découvrir une mélodie de ton choix. Voilà. Thank you.
Merci beaucoup Charlotte pour ce délicieux son. Je me suis évadée quelques minutes. Ça, c'est doux, c'est calme. Enfin, j'adore cet instrument. Le son est, et voilà, est indescriptible. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.